Bonjour les amis Torfistes et bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On est là, on est bien là, même si il faut pas se le cacher, la période est un peu plus délicate, mais on va pas faire comme d'autres youtubeurs ou pronostiqueurs qui essayent de masquer un petit peu leur période de méforme. Là, c'est vrai que on, on avait été tellement haut en janvier que depuis la fin janvier, euh, l'intuition est moins là c'est la fatigue on manque un peu de fraîcheur dans cette deuxième partie de meeting hivernal mais je vous promets que je suis à fond toujours derrière les pronostics et euh, n'hésitez pas à me dire vos sentiments mettez des commentaires sur ma sélection sur ce que vous pensez ce que vous voyez ça fait toujours du bien de confronter ses idées aux autres vous êtes les bienvenus en tout cas alors on va continuer avec cette fois-ci un quintet Plus, attention, hein, Idaho, là en photo, dimanche, prix de Vincennes, un hein, prix de France, pardon, hein, euh, la revanche comme on dit toujours, on va voir ce que ça donne, mais il va être favori encore. Hein. Là, on se dirige vers euh, déjà numéro 12, nos partants, à cette heure-là, euh, des 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 200 000 euros sur les 2100 mètres, grande piste et par à start de euh, l'hippodrome de Paris-Vincennes, euh, donc ils seront. 9 en première ligne et ils ne seront plus que 6 en deuxième ligne, euh, des chevaux bien connus, assez confirmés, euh, qui visent ces engagements-là parce qu'on n'a pas les 6 ans avec eux, euh, des étrangers, ils sont plutôt en deuxième ligne et... Pas forcément des, des premières chances donc euh, pour les bons chevaux français les plus jeunes en première ligne c'est une belle occasion pour euh, bah, euh, choper le, le gros lot c'est à dire la victoire hein. euh, que dire de plus que vous savez maintenant et vous êtes nombreux à cliquer pour le moment sur le lien qui est en description de cette vidéo euh, pour vous inscrire sur The Turf je vous invite à nous accompagner sur ce site de Paris Pique qui, euh, qui cherche à développer sa clientèle. Donc, il nous propose, via le lien donc, de ma chaîne, votre premier dépôt doublé. Euh, minimum 15 euros, il vous en donne 15. Maximum 100 euros. Si vous déposez 100 euros dès la première fois en un coup, ça vous donne 100 euros. Euh, c'est à la fois une reconnaissance de leur part de la qualité de la chaîne et aussi une reconnaissance de vous abonnés. S'ils viennent vers nous, c'est parce qu'ils estiment que euh, vous êtes nombreux et de qualité à faire vivre cette chaîne. Maintenant, j'ai un peu besoin de vous. Là, il faudrait que vous puissiez être encore plus nombreux à, à vous inscrire à The Turf via le lien. C'est un site qui est euh, très fiable, très hyper sécurisé. Vous trouvez des très bons rapports, euh, beaucoup de courses à votre disposition, euh, des pronostics aussi. Donc, euh, on y va. Merci à vous en tout cas. Ensuite, les fantômes, on va éliminer le 9 Fogo Pico, qui ne devrait pas être arrivé, selon moi. Et on y va. Alors... Le jeu combiné, on a fait. Je suis, je suis parti en fonction de plusieurs critères hein, euh, le cheval, la réussite globale à l'attelé, la réussite globale dans, ce, dans, ce, dans cette configuration de ferrure, euh, son aptitude à des parcours de vitesse, son aptitude. À, au départ Autostart, course de vitesse sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes, il y a des références là-dessus, hein. euh, le tandem un peu qu'ils forment avec euh, leur, euh, leur driver et euh, les records sur le, sur le parcours. Hein. Voilà un petit peu ce qui m'a guidé, et ce qui a orienté mon choix et l'âge bien sûr plutôt les 7 ans. Et on va commencer avec un 7 ans, oui, Hamilton Duham, la drive de Gabi Gelormini, déféré des 4, numéro 2 à l'Autostart, start. viennent s'imposer, il reste sur... Euh, premier, troisième, deuxième, neuvième, deuxième, premier, premier, premier. Donc une seule fausse note en, en huit dernières courses. Donc c'est un favori qui me semble assez solide. On y va à, avec lui, con, une bonne confiance. Hein. Euh, c'est toujours plus facile de trouver l'ordre d'un tiercé, écarté, quintet. Si on a le vainqueur, on espère le voir avec le 2. Ensuite, on y va avec le 5. Grand-roi Kalouma, aussi un cheval assez appuyé au beating, qui reste sur... Euh, 7 places sur 8 dans les 5 premiers On peut le voir davantage donc pour une, une place Moi je l'ai mis quand même assez haut Parce que euh, Grand Roi Kaluma il a une bonne aptitude au parcours C'est vrai, Il est sur le parcours c'est carton plein euh, Le record est correct euh, Les parcours de vitesse c'est okay. sa, sa tasse de thé comme on dit hein. euh, Donc on y va avec le 5 Ensuite on y va avec le 14 du dos du Ruel euh, son entraîneur Antoine Léreté le voit davantage pour une, pour une place, surtout avec ce numéro-là. Maintenant, il a la drive de David Thomas. Il est déféré des 4. Euh, très très bonne aptitude au parcours. Le tandem avec David Thomas fonctionne à merveille. Le record sur le parcours est bon. La, la ferrure parfaite. La vitesse parfaite. Euh, il, doit, il doit faire l'arrivée de ce vrai en sortant du quartet. Pour moi. Hein. Ensuite, on y va avec le 7 Ulysse Digeo. Là, c'est un peu plus délicat. Parce que c'est un cheval qui va rester ferré. Malgré tout. Avec ses, 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 ce type de, 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 de ferrure, bah, il, il, a, il a quand même bien réussi déjà. Euh, C'est toute une question un peu de souplesse, dit son entraîneur. Hein, Jean-William Allais qui sera au sulky. Euh, il est. Il a des bonnes stats un peu partout, chrono, euh, le tandem, le parcours. Euh, voilà. Donc il est. J'ai pas réussi à le retirer en fait. En gros, voilà. J'ai pas réussi. Je l'ai peut-être mis un tout petit peu haut. Mais ça peut être la surprise. Parce que là, il l'annonce à 35 contre 1 quand même. Hein. Ensuite, on y va avec... Bah c'est un H en plus. Hein, c'est un, un 7 ans également. Donc on continue. Hein. Euh, ensuite, avec Emma de Briville, mon deuxième outsider, hein, avec la drive d'Eric Raffin. Donc il ne faut pas s'attendre à une grosse, grosse cote, même si Raffin se met avant-dernier dans son pronostic. Euh, Emma de Briville, le numéro 10, qui m'a fait le retenir, c'est qu'il est sur sa deuxième course après une rentrée difficile où ça allait trop vite, il n'a pas pu suivre. Euh, maintenant il faut espérer qu'il est monté là dessus. Il a un numéro où il ne va pas faire trop d'efforts, ou elle ne va pas faire trop d'efforts. C'est une 7 ans. Euh, ensuite, euh, le tandem avec Raffin, on va dire que c'est inédit, mais c'est raffin, donc ce n'est pas forcément un point négatif. Euh, le parcours, il y a déjà des, peu de, de références, mais des bonnes références quand, il a, quand elle a couru sur ce parcours-là. Euh, chrono, il faudra peut-être aller un tout petit peu plus vite, mais bon, ça peut faire l'affaire. Ensuite, on continue toujours avec un H avec Horatius euh, Della, qui devrait être le deuxième favori de, de la course, avec Benjamin Rochard, déféré des 4, numéro 3, qui reste sur euh, 7 courses sur 8 dans les 5 premiers, et qui reste sur une victoire. Euh, la force d'Horatius Della, c'est les parcours de vitesse. Euh, et le, le, le meilleur, meilleur record quasiment sur le parcours. Hein. Voilà. Maintenant, j'en fais pas un favori si solide que ça pour les premières places. Voilà. Je le vois plutôt euh, carté quinté. Voilà. Ensuite, on enchaîne avec le 16. Hulken Sizou. Je, le JMB de, de service, je vais le prendre cette fois-ci avec Nicolas Bazir. Euh, pourquoi je le prends euh, Pour le parcours. Il a déjà gagné, je crois, sur ce parcours-là. Euh, pour sa régularité, euh, remis une disqualification et puis une, une course là, euh, qui compte pas en 2024, 14e, sinon c'est 3e, distancé, 4e, 2e, 6e, 1er, donc c'est pas si mal, ça doit pouvoir euh, se sortir de ce numéro 16 par contre, hein. mais il a personne sur son extérieur donc il va pouvoir éventuellement se placer et c'est un 7 ans de nouveau. Et enfin, on termine avec le numéro 6, Goldstar, un 8 ans là, mais la drift de Johan Le Bourgeois. Je m'en méfie, hein. Johan Le Bourgeois, euh, des fois j'ai du mal à le jouer parce que c'est qui m'aime me suivre et à la fin il finit à pied. Mais euh, souvent quand il arrive bien à gérer le cheval et qu'il est fait pour ça, euh, il nous casse des tickets. Donc euh, là je l'ai mis dedans en bout de combinaison, euh, Goldstar, il, il a pour lui euh, une très bonne, un très bon chrono record sur le parcours. Voilà. Ça doit lui permettre de conserver une place dans le quintet. En regret, on va mettre Ossia. Ouais, Mathieu Abrivar à la drive. Euh, bon, euh, pff, pas, la régularité n'est pas son point fort. Mets une 7 ans, une cour, un parcours à la corde. Si elle trouve l'ouverture, elle peut faire mal. Et venir euh, casser nos jeux. Je vais arrêter de le dire ça. Hein. Ça veut dire que le, co le béton, on va tenter un 1000 tomes du ham en espérant qu'il ne nous lâche pas en course. Ensuite, le 14 du dos du Ruel, le copain à la deuxième base. Le coquin et briville je suis beaucoup moins confiant qu'avec les deux autres, hein, autant vous le dire. Hein. Euh, la déception, ça pourrait être Guerwin de Chenu qui est un peu moins bien à Vincennes désormais. Euh, davantage à l'aise, piste plate maintenant. Euh, parcours de vitesse, ça peut le faire éventuellement, mais bon, voilà. Et puis, bah, les amis, hein, on se retrouve euh, dès demain. Il y aura un Quintet Plus vendredi soir à Vincennes avant un très très beau week-end avec en point d'orgue le prix de France. Et surtout, les amis, je ne veux pas me répéter, mais la chaîne a besoin de vous. Allez, c'est un appel à l'aide entre guillemets. Faites un effort. Euh, je vous en serai reconnaissant. La chaîne est complètement gratuite. Il y en a beaucoup qui vous donneraient des abonnements à 10, 15, 20 euros par mois pour vous donner ce que je vous donne. Euh, moi, c'est un plaisir de vous retrouver euh, et euh, que tout le monde, partout sur la planète. Sur, en, sur la terre entière puisse me suivre de la Nouvelle-Calédonie en passant par le Burkina Faso, le Maroc, euh, le Congo, la Guadeloupe Martinique. Euh, voilà, il y a du monde partout bien sûr, en France, en Europe, euh, dans les Dom Tom. Allez les amis, à très bientôt et je vous mets le lien en description de cette vidéo. Bye bye